remercier tout le monde du monde qui finit dérangé, qui finit vini, malgré les temps qui partent bon aujourd'hui, là qui fait tomber, quoi, de tout témoigner. Et qui, même nous peine un grand nombre, mais ce qui est important, toujours ce qu'il nous dit, c'est parfois c'est la qualité qui prime ou la quantité. Et nous peut expliquer un peu, là, sa conférence, pour sa point de presse qu'il nous fait faire là, une déclaration, c'est que la première chose qu'il nous fait dire, qu'il ne va pas aller de l'avant avec le rallye, vu les temps et aussi le nombre qui nous est. Mais qui problème qui est arrivé par rapport à ça, c'est important que la presse comprend. C'est que pour le moment, c'est que il y a une déclaration, une conférence de presse qu'il fait, qu'il a connu sur une impôt, une condition. Et comme toujours, il y a certaines conditions depuis le début, comment nous fait trouver l'eau, là nous faisons une route ferradique, une manifestation, et qui finit vraiment une condition qui est vraiment inacceptable, qui nous fait récit, répondre dans correspondance et tout. Mais maintenant là, c'est qu'il y a un indien qui nous fait contester, nous pas d'accord avec le fait qu'il fait moi, Movin, exclusivement responsable de tout ban participant. Moi, je suis exclusivement responsable de tout ban l'écart de comportement qui pouvait non. Pas ban participant, je suis refusé. Comme tout le monde, logique, qui est dans un bon sens, il ne va pas accepter. Si vous donnez l'auto pas devant et l'auto est dans 100 mètres pas derrière, comment vous connaissez pas ban assis au bout de la fenêtre ou bien ban peut faire des autres. Vous ne pouvez pas prendre responsabilité comme ça. Vous refusez. Et tout le temps, vous pouvez refuser. Mais il est important que le public comprenne que quand vous refusez, en tant qu'un activiste social, qui est bizarre contre ce droit de ce que la Constitution permet tout faire et pas faire, il est important que tout le temps, vous ne pas capable de prouver devant les autorités pour tout bas petite chose qui veut te mettre dans les doigts. Nous sommes un pays démocratique, mais une démocratie malade. Qui peut nous dire d'une démocratie malade parce qu'un nous peut trouver ce qui veut passer avec une série de conditions. Mon camarade là, dans Georges Ayane, qui supposait venir, il dit moi, il a envoyé une lettre à la police depuis une semaine, hier qu'il ait une réponse pour lui faire une fonction demain. Nous ne pouvons pas considérer avec un état de choses pareil. Ben, ça qui fait constituer la maladie de la démocratie. C'est que je fais en fait ce qui est une expression de la démocratie dans une société côté a beaucoup de problèmes et sa taxe vaccin qui nous fait refuser à mes places, ça c'est un parmi beaucoup d'affaires. Il a perdu du pouvoir d'achat. Dans le Parlement, il y a un Parlement d'une démocratie extraordinairement malade encore. Nous, nous avons le globule blanc là-dedans. Nous, les activistes sociaux, nous avons le globule blanc dans l'écho, ça l'écho là, c'est l'île Maurice. Nous pouvons combattre contre tout le temps nos droits piétinés. Nous ne pouvons pas accepter. Quitte à qui même, ben, Dimoun Bizet comprend. Nous pouvons faire ça, Dimoun Bizet comprend que quand nous pouvons faire, nous ne pouvons pas faire ça pour Dimoun Bizet qui a un problème. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés aujourd'hui, croyant qu'ils peuvent nous mettre une condition à la police, qui vont prendre l'eau, voler l'eau. Tout écart de comportement, je crois qu'il est capable d'un problème. Mais les Mauriciens nous ont compris, nous sommes capables de résister, nous sommes capables de vivre. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Remarquez bien, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas le fini pour nous créer, non. Nous pouvons faire, nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer nos combats contre les prix abusifs. Nous pouvons continuer nos combats contre les taxes qui injustes qui peuvent imposer dans la population pour acheter vaccins. Nous pouvons continuer nos combats pour que le perte du pouvoir d'achat nous pouvons continuer ce combat-là. Nous pouvons habiller, nous étudier, nous faire une série de rallyes. Pas quoi qui est à cause d'aujourd'hui, rallye peut arrêter, non? Absolument pas. Rallye ne peut pas arrêter. Nous avons un camarade qui tient en nous dans le dernier rallye du 6 août, qui part en nous aujourd'hui pour des raisons évidentes qui nous viennent de nos conférences de presse, qui est dans une rôle de politique active et nous pas trouver par exemple, dit quelqu'un qui fait rôle de politique active ou bien dans politique active, il met un chapeau à une ONG et il vient assiser en nous, l'eau plateforme, est-ce que je peux trouver une leader de ce grand parti politique là, il vient mettre un chapeau à une ONG, il vient assiser en nous, il n'est pas acceptable, absolument pas.
Donc, Chien Boucor assez comprend le cas. Mais le combat de la cible, qui fut faire ses preuves pendant des générations, à peu près 40 ans, nous là, 45 ans. Ça combat qui nous fait là, depuis venir plus tard pour dire qui bonne affaire qui nous fait pour la population. Ça combat pour défendre nous autres, sans qu'ils amènent nous disent rien en retour. Ok, ça combat là pour continuer. Ok, donc pour nous, c'est toujours vivre la démocratie, une démocratie qui vraiment qui nous ni malade, mais nous vous rend beaucoup plus sain et nous vous fait mettre son vaccin en ligne sans qu'il nous coûte rien. Sans nous dire maintenant, hein, faire son vaccin pour empêcher que sa démocratie là, il défaillir. Il défaillant, mais il défaillir. Et ça, il est important que tout le monde, tout le monde, chère. Merci.